Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Aujourd'hui au programme, imprimante 3D, un peu de rangement et puis d'autres trucs. En ce moment, je suis un peu obsédé par l'impression 3D puisque j'ai reçu la Sigma qui est là maintenant. On voit pas trop, tiens, on va la voir ici. Voilà, elle est là. La Sigma R17 de chez BNC 3D. Et il était temps de faire un peu de rangement. J'avais les deux tables qui étaient l'une à côté de l'autre. C'était un peu le bordel. Et surtout, la petite table avec la vibration de l'imprimante 3D avait tendance à bouger dans tous les sens. Donc, j'ai bougé la Sigma sur la grande table que j'ai fabriquée lors du dernier épisode de La Grotte du Barbu, que je ne peux que vous conseiller d'aller voir, évidemment. Et j'ai un peu rangé tout le bordel. Dans un peut-être futur mini-épisode, je vais aussi faire un plateau sous ma nouvelle table pour pouvoir ranger du bordel qui pour l'instant traîne un peu à droite à gauche. J'ai décidé aussi de changer de filament puisque j'avais du vieux filament vert qui datait de la guerre de 14-18 en 3 mm en PLA que je voulais tester, voir s'il marchait toujours. J'ai un peu galéré et c'était pas dû au filament en fait. C'est dû à mon extrudeur gauche qui est pas bien calibré du tout. Donc ça, je vais m'en occuper dès que j'aurai fini de me réimprimer un truc pour Leatherman, qui est un peu ma pièce de référence et qui me permet de savoir si tout est bien calibré. Quand même, 4 heures pour imprimer ça. Et surtout, je l'ai amélioré. J'ai fait un côté qui est beaucoup plus solide et j'ai redesigné tout le truc ici. Et bien sûr, ce sera bientôt sur GitHub et sur Thingiverse. Vendredi soir, j'ai traîné un peu du côté de YouTube avec un live de la chaîne connectée. C'était juste avant d'aller me coucher, je me suis dit tiens, je vais aller regarder ce qui se passe sur YouTube. Je suis allé sur mes abonnements, pouf, j'ai vu un live, j'y suis allé et c'était bien sympa. Le principe, c'est que tous les vendredis, a priori à 21h30, il y a un live où le monsieur de la chaîne connectée, je sais plus comment il s'appelle, imprime des trucs et il y a un chat, vous pouvez discuter, il répond à vos questions. Si en particulier vous êtes intrigué par l'impression 3D, que vous avez des questions, que vous êtes bloqué avec votre imprimante 3D, vous ne savez pas comment faire, je ne sais pas trop, tralali, tralala, n'hésitez pas, ou si c'est juste pour aller discuter avec d'autres barbus qui impriment des trucs qui sont rigolos, je mettrai le lien dans la description de la chaîne connectée.
je peux que vous inciter à aller vous abonner et à aller au moins traîner vos guêtres une fois un vendredi soir. A priori, le week-end du 10-11 juin, je serai à Évry pour la convention MP4, qui est une espèce de convention de gens qui font des vidéos à l'université d'Évry, je crois. Je mettrai un lien aussi dans la description. Alors, j'y serai pas le dimanche, mais j'y serai le samedi. Qu'est-ce que je vais y faire? Je sais pas trop. Je vais aller discuter avec des gens qui font aussi des vidéos. Et puis, si vous êtes un barbu et que vous avez envie de venir dire bonjour, peut-être boire des bières, je sais pas si on a le droit, eh ben, n'hésitez pas à venir. Il y a aussi des conférences, des trucs, des machins. N'hésitez pas à aller sur le site pour vous renseigner. Et puis, si vous avez envie de venir dire bonjour, venez dire bonjour, hein. Pas sûr que cette semaine je réalise un nouvel épisode de La Grande du Barbu, puisque la semaine dernière j'en ai réalisé deux. Je vais très certainement commencer le nouvel épisode, je sais pas, dans ma nouvelle section qui est on essaye d'améliorer le nouvel appart du Barbu. Dans ma chambre, en fait, il n'y a pas de lumière et des mecs sympas m'ont envoyé une petite lumière LED, donc je vais me faire une table de chevet avec lumière et chargeur de téléphone, un chargeur USB-C intégré. Je suis pas sûr que j'aurai le temps de finir ça, parce que j'ai envie de faire des trucs cool, j'ai envie d'utiliser la défonceuse, et je suis pas sûr que j'aurai le temps de le faire ce week-end. Dans les prochains jours aussi, il y aura au moins un, voire peut-être deux épisodes de Barbu Experience, toujours dans l'impression 3D. Et ça va être quoi les sujets? Je pense que le premier sujet, ça va être le workflow, c'est-à-dire de l'idée jusqu'à l'impression, c'est quoi les différentes étapes, pour essayer de faire comprendre un peu mieux aux gens qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce qu'il faut faire. Et je pense que l'autre, ce sera les logiciels d'impression 3D, c'est-à-dire les slicers. Donc, n'hésitez pas à aller voir déjà les deux premiers épisodes, et d'autres arriveront très très vite. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Barbu Nawak, un épisode centré sur la réorganisation et l'impression 3D. D'ailleurs, la Sigma est en train de travailler. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de mettre des scotch rigolos, parce que voilà. Il y a un nuage qui passe devant le soleil, et tout d'un coup, il y a vachement moins de lumière. Comme d'habitude, vous connaissez le principe, mail, Twitter, Facebook, Instagram, les commentaires, tu t'abonnes. Je crois qu'on a largement dépassé les 8000 abonnés. Ouh, 8304. Je vous préviens, pour les 10 000 abonnés, il y aura un épisode super coolos. Donc, n'hésitez pas à balancer à vos potes pour qu'ils s'abonnent. Voilà, c'est tout pour ce petit update. Faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Bon, je peux pas m'empêcher de teaser un peu les trucs que j'imprime, hein, parce que c'est cool. Ouh, un flingue de Warhammer 40 000 avec le truc qui se met dans le truc, mais surtout l'épée de l'inquisiteur de Warhammer 40 000. Ouh. Et ça, si vous voulez voir des images exclusives, faut aller sur mon Instagram. Mes crayons, mes crayons.